Et bim, voilà. Alors, je vais voir si c'est quand même Kekun, parce que c'est quand même pour lui que j'ai fait ça. 10 pauses, voilà. Normal cast, ah bah c'est bien, il y a une petite musique et tout avec. Bah on lui répondra, on lui répond, bah t'as qu'à venir voir le stream. Mais lui des bisous quand même. Faut venir bou le stream. Venir voir. Ah le stream, ça coche. Des bisous quand même. Voilà. Because on est des gens sociaux. On est des gens sociaux. Comme la sécurité. Comme la sécurité. C'est-à-dire que nous, on fait du community management en plein stream. Exactement. Et nous, on fait ça de nous-mêmes. C'est qu'en fait, nous, on a attendu personne pour en faire, ok? Attention! Ah, t'es esquivé de pas grand-chose, hein. Ah, mais je suis à la frame, moi, t'inquiète. Ah, bah heureusement qu'il s'est arrêté, ce gros con. Non, pas de soucis. À la frame, je te dis. Oui! Le stream de la glissade. Bam! Ah, bien joué. Bien joué. Attends qu'il tombe, vas-y, fonce maintenant, vite! Bam! Voilà. Hop, on fonce. Maintenant, vite, vite, vite! Bam! Rajoute sacoche à la fin du smus. Bah mince, j'y ai pas pensé. Descends. Ok, il tire à intervalles réguliers. Ah, il est un peu con, c'est pour ça. Alors tout à l'heure, j'avais l'impression que j'avais des piments qui tombaient. Non, c'est après. Voilà. Ah, un poulet, deux poulets. Wait. Ok. Mais si tu sautes, ça redescend. Ouf. Bim. Et fous-moi la paix. Sinon, tu peux le faire comme ça, au pire. Mais non, mais c'est chiant, en fait. Voilà. Paf. 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 Mute ta mère. Allez, je profite des frames d'invulnérabilité. Take damage to take damage. Salut. Tu me bats, je te donnerai la carte et le journal du King. Ah bah dis donc, il est gentil quand même. Grosse de fang. Parce que ça pourrait dire finalement si tu me bats bah je te... Ah bah c'est le headshot facile. Ah mais c'est chiant. Bim. Mais en fait il est gratuit. Vite monte. Grimpette de Donald Duck. Paf. Ah ça c'est ça. Descend. Ça c'est le GG. Par contre j'ai plus qu'un point de vue. Mais il est gratos. Ah bah non. Il m'a un peu tombé sur la gueule. Mais voilà. Je pense qu'il a plusieurs formes. Moi je pense qu'il est sympa quand même. Hein. Parce que... Bon allez, si tu me casses la gueule, je te donne des trucs quoi. Ouais, il est sympa. Par contre, j'aimerais bien qu'il se ramène sa face. Bam. Même si je pense qu'il peut faire le coup en traite de la... Comment ça s'appelle? Ah, il peut écraser. Le coup en traite de... Eh, en fait, t'as 10 secondes pour sortir de là, sinon t'es mort. Ah, il aime pas les ventouses dans le nez. Hein. Ah bah ouais, hein, c'est pas. Hein. Ah, pas il écrase. Attention, attention. Voilà. Attention. Donc là, il va venir par là. Bim. What's voilà. Up. What's up, people. Bizarrement, je pense que c'est notre chose. Bim. Donc là, je peux l'avoir deux fois. Mais t'es complètement gratuit. Ah, c'est con, t'as raté une fenêtre. Bim. N'empêche, tu le bats à coup de ventouse, c'est cool. Là, je pourrais le faire mongoliser un peu. Quoi? Ah, j'ai trouvé un infini. Mais sinon, tu meurs quand, juste pour savoir, salopard? Ah, j'ai trouvé un infini. Ah, ça marche plus là. Plus trop bien, mon infini.
Non, mais c'est normal, t'as pas eu la frame. Voilà, voilà. Faire. Donald récupère le carnet viking. Et du coup, Et du coup, bah, ils sont tous morts. Du coup, j'ai le carnet viking, je suis fort content. Je fais quoi maintenant? Vas-y, monte. Prends le truc là. Me dis pas qu'il faut que je revienne dans l'autre sens. Bah, si. J'aime pas ça. Ah, bah non, faut que tu reviennes dans l'autre sens, effectivement. Bon, bah, on va par là. Ah non, tu peux pas. Ok. Appelez l'avion. C'est le vieux journal viking. Le journal révèle que la carte doit être humidifiée. Une fois mouillée, la position du véritable trésor apparaîtra. Plongeons-la dans l'eau. Voilà. Wow. Ah, le trésor des canards. Lille. Mais non, c'est le trésor des canards. Il y a le trésor des canards à Lille en France. Mais il y a encore des trucs à faire. Oh, c'est un niveau avec des monstres. Oh, mais il y a un trou là, ce boss. Eh, fous-moi la paix. Ah, mais... Voilà. Il fallait me dire qu'il y avait un trou là, ce boss aussi. Moi, j'étais content. Je pensais que j'avais fini le game. Eh ben non. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Ah, ah, il y avait un... Il y avait des poulets. Il y avait un poulet. Ah, il y a Kei-kun. Salut, Kei-kun. Ah, ben donc, du coup, t'es bien dû. Malgré le fait que c'est pas écrit en caps lock. Moi, je trouve que c'est gentil de sa part. On lui a un peu forcé la main, en même temps c'était la grosse surprise. La notification est déjà tombée une fois. Ouais. Mais en fait... Nous avons eu un généreux donateur de 5€. Voilà. Donc là on a à peu près 2% du prix du micro. Bon, c'était, c'est pas worth it. Si, ce que tu peux faire, c'est quand tu montes sur la première feuille avant d'avoir la deuxième, dès que t'es dessus, paf, tu te cires, deuxième, et tu peux grimper comme ça. Je pense que c'est possible, mais c'est un peu dangereux, donc je vais pas mais le non. faire. Mais non, si, tu risques rien. C'est pas un peu du cannibalisme, un canard qui mange du poulet, effectivement. C'est vrai. En plus, on dit que c'est un poulet, mais sauf que c'est un canard rôti. Ouais. Ah, d'ailleurs, Kei-kun disait qu'il aimait bien ton t-shirt. Ah bon? Ouais. Ah, le maillot des Celtics. Il valide ton t-shirt. Ah, ça fait plaisir. Ah, même si je suis pas spécialement fan d'une équipe de basket en général, parce que j'aime bien le basket, j'aime bien regarder. Sauf quand il y a les temps morts et temps morts, c'est chiant. Moi je dis merci, les continue infinis quand même. Hein. C'est pas grave, on run, y a pas de problème, on n'a pas peur. Normal run, l'émission où on run normalement les jeux. Y'a pas de soucis. Avec des feuilles qui tombent. Ah! Mais c'est la Saint-Patrick, c'est à l'automne, tu comprends plus rien ce stream. Ah non, mais ça veut plus rien dire. Hein. Moi je vais monter. Eh bah c'est pareil que toi, Kei-kun. Le vert c'est stylé et du coup le Celtics aussi. En plus, ce maillot là, l'avantage de ce maillot là, c'est que je peux le porter à la Saint-Patrick et après on dit ouais, t'es un vrai. Oh, mais regarde-moi ça. Ah, c'est bâtard. Ouais. Ça, c'est bâtard ça. Tout ça pour aller chercher un trésor. Un trésor que toi en tant que joueur, tu ne toucheras pas. Bah non. Donc c'est complètement bâtard. C'est de l'arnaque. C'est un c'est hitbox de l'infini. C'est un appât du gain virtuel. Et donc ça, c'est quand même assez lamentable. Je suis sûr qu'en plus, il va y avoir un méga serpent qui va m'attendre, une migale. Ah non, moi je me casse. Hein. Moi j'ai pas envie de voir les dégueulasseries. Tire. Ah, ça marche aussi, tu vois. Pas de soucis. Regarde là. Hop là. Regarde là. Ouh, la feuille, elle a failli dire non finalement. Hop là. Hop là. Paf. Paf le serpent. Paf, paf, paf le serpent. Voilà, tu fermes ton gueule. Après, paf le piaf. Et piaf le chien. Paf le serpent. Continue, non, y a pas de soucis, j'ai pas peur. Hop, voilà. Il fallait toujours continuer vers l'avant. L'avant, en avant, Donald. À l'aventure, compagnon. Mais qu'est-ce que c'est que ces pièges à con? Oh non. Ah, ça y est, là, je suis énervé, tu vois. Ah non! C'est con parce que t'aurais pu revenir sur la gauche. J'ai tombé! Bon, remarque, revenir sur la gauche, je sais pas si t'aurais pu vivre longtemps, mais. Bah, je sais pas, je suis pas très à l'aise du fait d'être socialiste. T'as pas compris? Bah, revenir à gauche. Ah! Est-ce que tu penses que le mec qu'on a vu à Cochonou là, il est à gauche un peu? Rappelle-le. Mais tire. Fallait tirer avant sur la feuille. Ça marche pas. Ah, t'es gars mauvais.
Vas-y, joue un peu, faut que j'aille pisser. Mais c'est pas mon jeu, hein. Ah, faut que j'aille pisser. Bon, comment on joue? Alors, mais oui, mon gars, j'adore le vert et je trouve que les statues, c'est stylé. A tout de suite. Voilà. Ah, et là on module l'espace et là, on est bien. Ah, alors, comment on y joue, en fait, à ce jeu de merde? Et ça sert à quoi? À rien, ok. Hop, 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 hop. On y va. J'ai pas peur. Ah. Moi la paix, connard. Mais foutez-moi la paix, serpent. Mais d'où t'as pas mangé mon truc? Ça y est, ça m'énerve. Le jeu m'énerve. Bon, on grimpe, on grimpe. La randonnée pédestre avec des pattes de canard. On monte les plateformes. J'ai peur. C'est l'automne, tombent les feuilles. Ah le bâtard, ça marche pas. Mais non, ça marche pas. T'as vu, ça a pas marché. Me laisse, tu m'as filé un peu le jeu, tu me laisses jouer. Tu veux finir, c'est moi qui le finis le jeu. Bah tu joues à Mickey, c'est pas grave. Non, j'ai pas envie de jouer Mickey. Regarde le serpent, regarde comment je l'ai défoncé. Regarde, hop, hop. Je suis plus dans le cadre. Hop, hop, t'as vu ça comment je les baisse les serpents? Je les saute moi les serpents. Qu'est-ce qu'il y a? Zofio. Ah ouais. Il y a un petit vent frais, c'est agréable. Ah bah oui, c'est à cause de l'orage qui tonne, et qui en fait des tonnes. Bon, ça m'énerve. Il est chiant ce jeu. En plus, t'as même pas attendu la pause pour aller pisser, du coup, bah tu feras pas de pause. Parce que t'as pas besoin d'aller pisser du coup maintenant. Si je ferai une pause, je fume ma clope. Oh la hitbox. Mais gars, t'es nul. Moi j'avais les esquivés, les serpents. Ouais, mais t'es mort plus près que moi que j'ai été. Ouais, mais moi j'ai pas fait tout le jeu, d'accord. Moi je joue à Mickey, ok. Moi je joue à la souris qui, quelque part, elle a tellement de métiers qu'on dirait qu'elle a fait de l'intérim, ok. Elle connaît les problèmes de la société précaire. Voilà. Ouais, c'est facile. Mickey, c'est un vrai. Si, si. Mickey. On n'a pas peur, on y va. Ah, en fait, t'es mort au saut le plus facile. Bah ouais. Ouais, ah, il me reste qu'une vie. C'est des canards qui soulèvent des poutres. Oh putain. C'est des poutres apparentes. Hein. Moi j'y fonce. Paf, paf. Mais saloperie. La dernière elle était grillée. Là tu fonces. On a pas peur. En fait, moi je pense que t'aurais dû laisser Pat y aller à ta place. Ouais, tu fais peur toi. Voilà. T'aurais dû laisser Pat y aller à ta place pour qu'il aille crever comme une sale merde. Moi j'avoue. J'ai pas peur. C'est joli comme niveau quand même. Moi j'aime bien. Putain, il y a plein de canards. Il saute. Fous-moi la paix. Mais ça a pas de sens. Ah ouais, mais je me fais poursuivre. Je me fais pourchasser. Ouah, ça pop comme ça, Gratos. Bonjour. Je suis Gratos de Lord of Lar, quoi. God of Lar. Gratos de God of Lar. J'ai dit quoi? Lord of Lar. Ah oui, effectivement, c'est pas pareil. Vite, comme les boues. Comme les boues, voilà. Entre dans le cercle des boues, quoi. Pourquoi non? Parce que c'était pas le bon moment. Ouais, j'y croyais tellement fort. Putain, j'ai des bulles du coca qui me remontent dans l'estomac. Bim. Voilà. Voilà, dans les genoux. Voilà, dans les genoux. Paf. J'ai peur. Voilà. T'as quoi, des statues à boucler? Voilà. Ah d'accord, elles étaient là, coucou, on saute. Vite. Avant les picots te piquent. Ah, les picots, ça pique. Comme le piment. Ah, reviens. Paf, reviens, qui disait, loup. Paf, pays. Paf. Et y'a pas de... Ce fils de puterie s'est arrêté avant. Essaie de mettre un coup sur les pics. Ah non. Les pics te font carrément disparaître ta ventouse. On va y arriver, hein. Donc avec des pics, tu ne peux pas déboucher tes chiottes. Donc du coup, les mecs qui se... Ah, mais ta mère, là. Donc les mecs qui se coiffent en pic comme ça, ils peuvent pas être plombiers. Donc Mario ne peut pas se coiffer en pic. Voilà. Voilà, parce qu'il peut pas déboucher les chiottes, du coup. Allez, ramène-toi. Voilà, mais mon dieu. Voilà. Oui. Ah là, il reste plus qu'une vie.
Ah, ça pue le game over quand même. Hein. Ah, pardon. Je m'excuse pour voilà. Ah, c'est de la merde ton jeu. Box de mes couilles quand même. Hein. C'est okay. Un peu de la merde. Regardez s'il y avait pas un petit. Ah, peut-être que je vais mettre un peu plus bas. Il faut que je le mette un peu plus bas. Je pense que ce serait. J'ai besoin d'un Genki-Dama, les enfants. S'il vous plaît. Non, je fais pas, je me suis pas resté les bras. Ah, ouais, mais ça sert à rien. Oui, exactement. Voilà, et monte, grimpe. Ah, comme si ta vie ne dépendait plus que ça. Grimpe l'Olympe, allez, on y va. Je le sens par là. Et paf, il te fait aplatir comme une merde. Ah non. Ah. Fort bien. Moi je dis saute. Ah non, mais pas comme ça. Regarde, il y a des nuages. Ah, c'est les nuages qui font les plateformes. Ah non. C'était pas les nuages. On le voit pas. Voilà, là c'est bien. Bonjour le sel. Pour des nuits salées, oui. Le sel de la baleine. Je le vis bien. En fait, c'est l'île salée un peu. Tu te rends compte quand même que t'as les neveux qui laissent leur oncle tranquillement sur une île en se disant, sans se dire, eh mais ça se trouve il va mourir. Non, ils s'en foutent hein. Et ils sont contents en plus. Ouais, on a 8 ans, pilote des avions quoi. Putain d'irresponsable quoi. J'ai pas eu de Genki-Dama. Les gens m'aiment pas. Toi aussi t'as un défaut de popularité. Ouais. En plus je leur paye des bières. Enfin, cela dit, ils remboursent ça en donation. Hola Unicorn Wrath. C'est le fameux monsieur texan qui parlait français. Ah, comment est-ce que t'as ce moumier? Bonjour à toi. Oui. Bon, oui. Oui, voilà. Y'a pas de problème, y'a pas de problème. Ah, c'est Kekun, il t'a fait un demi Genki-Dama et maintenant le double. Y'a pas de problème, ça fait, ça fait genre la force là. Là. Ah, ouais, non, mais c'est cool hein. Voilà. Donc, alors, paf, paf, et là faut que je tienne sans. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Bah, là y'a un canard qui se fait embrocher par des pics. Oh, la roulette de la pizza. Oh, ouais. Paf, 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 paf. On joue à Donald à l'aventure. Donald à l'aventure. Aventure. C'est de parti voilà. Les amis. En route pour la voiture. Est-ce qu'on entend bien mon imitation de Donald sur le stream en bah, fait? Bah apparemment oui hein, parce que je crois que Eleazar avait souligné l'importance parce de que la là, qualité. Là j'ai retrouvé mon Donald. Oula. On t'a demandé si t'as terminé FF4. C'est FF6, je... Ah oui, parce que ah non, c'est 6, FF... 6, 6, ouais. Vie, c'est 6. Je le finis la semaine prochaine. J'ai récupéré Gogo et Umaro, et la semaine prochaine, je vais attaquer The Wearing Triad. Ah, salaud bon, bah... Ah, ils ont des petites épées. C'est pas mieux, hein. Ah ouais, bien. Ouais, y a forcément un poulet qui traîne. Bah je sais pas, hein, c'est la fin du jeu quand même. Mais si. Y'a toujours un point de sauvegarde devant le boss final. Ah tu fais très bien de... Ah merci Elmoni. Quelque part j'ai fait un peu des études, hein, les yeux de Donald. Ah mais non. Ah non mais là par contre t'as un peu filé ton cul à la pique quand même, j'ai envie de dire. Tu te calmes s'il te plaît. Ouais. Ah bien joué. Oh ouais. Ça c'est bien ça. Mais... Ça par contre c'était complètement bâtard. Mais il a pas sauté. Complètement gratuit en plus quoi. Bah il avait pas de réalité le personnage. Non mais c'est moi qui ai un déficit de popularité aujourd'hui. Pourquoi? Parce que voilà. Kekun t'as fait un Genki-Dama et un demi Genki-Dama. Ah oui, Genki-Dama. C'est vrai que, ouais. À lui seul t'en as eu un et demi. Arrête de te plaindre. Voilà. C'est rigolo en plus quand je joue je fais des bruits marrants. Et non pas des bruits marrons, ce n'est pas la même chose. Ah ouais, c'est la flamme qui sort du sol. Pourtant,
quand j'anticipe et tout, hein. Maintenant, vite! Voilà. Vite, les genoux, la tête. Voilà. Mais voilà. Putain, j'avoue, mais le bâtard, il a jamais voulu, hein. Mais sérieusement? Ah, pas mieux. Oh, c'est Hitbox. J'ai peur! Reste là, t'es bien. Mais non, mais reste dessus, t'étais bien. Ouais, mais en fait, je peux pas bien sauter, en fait, en vérité. Ah, oui, effectivement, c'est vrai. En fait, elle est chiante, la baleine, parce que je vois pas bien l'écran du jeu. Voilà, et là, tu glisses. Oui! J'en vais bien. Ok, ok. Allez, on le finit, ce jeu. Ouais. Voilà, t'as chopé. Là, c'est bon. Saute! On se fait pas avoir, voilà. Voilà. Ah, y'a Kekun qui a fait 2€. J'ai entendu le bruit. Ah bah voilà quelle y est la notification. C'est sur Mega Drive Mega Drive ou Genesis. 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 Je sais pas comment ils disent this. Alors par contre c'est notre retour est un peu petit pour que l'on voit la personne qui a fait le don, mais je le remercie chaudement. Notre tour en fait il est en tout petit en haut à droite parce que sinon on n'a pas la place de voir le reste. C'est vrai. On trouve une solution à ça d'ailleurs. Bah le truc c'est qu'on peut pas brancher en HDMI. On peut pas mettre du dual screen si t'as un de tes screens qui est en HDMI. C'est fort embêtant mais c'est comme ça. Voilà, dans les genoux. Ah je suis à la frame là. Les ventouses, c'est dans les genoux, c'est comme ça que ça se passe. Ça me rappelle une copine. Dans les genoux. Ah bon, c'est dans... Je sais pas. Dans les genoux. Sega Unicorn Wrath. J'adore son pseudo. I love your nickname. Oh, je suis à la frame. Et là, t'as encore plus de vie que t'as jamais eu de ta vie. Et ça, c'est stylé. Oh, ça saute, hein. Ok. Ah ouais. Génial. Oh, t'as fait traverser la plate. Bon, c'est pas le décès, ça va. Oh mais non, mais je repère tout. Oh là là. Ah mais là, c'était pas très... Oh, c'était pas opti, hein. C'était pas le commerce équitable, hein. Il t'aime aussi, il dit. Oh, ça fait plaisir. On m'a dit qu'on m'aimait. Je ne vais pas m'énerver. Oh. Sega Genesis. Je suis touché. C'est effectivement ça. Parce que chez nous, elle s'appelle la Mega Drive. C'est ça. Et non pas la Genesis. Dernier essai avant la pause. Avant la pause, tu comptes de finir le jeu aujourd'hui ou pas? Ah bah non, on changera hein, si on n'a pas fini. Qu'est-ce qu'on fait? On insiste ou pas? On demande au chat, est-ce qu'on insiste? Mega Drive, c'est une grosse voiture que tu conduis comme ça, une grosse. C'est un Mega Drive. Sinon ce serait Mini Drive, c'était une petite voiture, tu vois. Oh là 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 là, là les hitbox. Donc alors, boulet, sacoche, chat. Ça c'est Kekun qui te fait un bisou. Il se fout un petit peu de ma gueule, mais... Oh. Alors, la petite question du jour au chat, c'est de savoir, est-ce qu'on insiste pour essayer de finir ce jeu? Ou est-ce qu'on fait la pause et qu'on passe à Mickey? C'est la mort, c'est la mort, c'est la vie, c'est la vie. Oula. Ouf. Tu l'as vu de presse, quoi. Pas de problème. Alors, le jeu suivant, c'est Mickey. Le jeu sur lequel je pète les plombs depuis deux semaines maintenant. Voilà. Ouais, si Gekun dit que si tu penses le finir, vas-y, pousse un peu, ça va sortir. Bah, je pense le finir, effectivement. Le ça va sortir, c'est un peu moi qui l'ai rajouté. Ah. Mais je pense qu'il le pensait, hein. Donc voilà. Fort bien. Y'a Krish. Oh, qui est là. Krish, pourquoi Krish. Le canard n'a pas de. Merde! J'ai appuyé sur droite!
Mais j'ai appuyé sur droite. Mais j'ai appuyé sur droite. Oh la vache. Mais d'ailleurs, Chris, le truc c'est que il a pas de pantalon, mais s'il sort de la douche, il a une serviette. Oh, j'ai cru que j'allais pouvoir le minder. Donc du coup, c'est complètement con parce que là, il se balade la bite à l'air, mais quand il sort de la douche, il est tranquille. Moi, quand je sors sans pantalon, la police m'embarque. Ah, y'a Nuno. Salut Nuno. Salut Nuno, mais il y a trop de monde aujourd'hui. Mais en fait, Nuno, qu'est-ce que tu fous là? T'es pas censé être en vacances. Voilà, pour voir ça. Et ça, c'est cool. Ah, je vais mourir. Ah putain, qu'est-ce qu'on rigole, hein. Et bonjour, oh, du coup, oui. Effectivement. Oh putain. Je pense qu'on peut faire un dernier essai et après on reprendra après la pause s'il faut. Oula. Parce que j'aimerais bien quand même qu'on démarre Street of Rage 2 Dans deux semaines. Donc, au plus vite. Oh mais non. C'est gentil Nuno. Qu'est-ce qu'il dit Nuno? Bah il est en vacances mais il nous regarde quand même. Oh là là, c'est parce que nous on est les gens de la détente. C'est ça exactement. Après une bonne journée de plage qui t'a un peu tendu tu vois. Paf. Hop. Paf. Voir deux boulets jouer à Donald. Ah, pour le moment je suis un monoboulet là. Un monoboulet. Attends, attends, Mickey, Mickey n'est pas loin. Alright, ok. Alright, alright canard, alright. Vas-y, cours à droite, cours à droite, cours À droite, voilà, voilà, comme Sarko, à droite. Voilà. On n'a pas peur. Paf, 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 c'est long, paf, 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 à la frame. On sent le mec qui connaît le jeu. Et maintenant tu montes sauf le dernier. Ah voilà, tu le passes comme ça. Hop, y'a pas de problème, là tu cours, tu sautes. Et tu sautes. De l'amour, du sexe et des câlins, bah ouais. Et ça, même la police, elle veut pas, je comprends pas. Mais ça dépend, c'est du tag du roman ou pas? De quoi, le sexe et les câlins? Non, la police. Ah, la police! Parce que le thème du roman peut t'arrêter. Oh, c'est dégueulasse. Oh, tu fais découvrir à d'autres, c'est-à-dire qu'il y a toute une communauté derrière toi. Tu fais découvrir quoi à d'autres? Bah, Nuno, il fait découvrir le stream à d'autres personnes. Ah yes! Bonjour les gens! Donc, du coup, on. Tu vois, je t'avais dit qu'on avait la probabilité d'être 1 milliard. Et ben voilà, il est là le milliard. Je le savais. C'est tout. Voilà. J'ai pas peur. Allez, vas-y, les couronnes de flammes, voilà, ça passe. Les genoux, voilà, les genoux. Ah, il a pas de réalité. Vite, les genoux. Par contre, le mieux d'ailleurs, il y en a une. Salaud. Vite, avant qu'il saute à la gueule, voilà, ça c'est fait. Hop, la petite flamme, tu passes au-dessus. Oh là, oh là là, la glissade qui... Tu sais comment on appelle ça dans l'univers de Meat Boy, hein. Ouais, le... Tu meurs, mais tu vas mourir plus tard. C'est le destination finale, ça. C'est ça. Je connaissais juste le concept, mais je connaissais pas le... Alors, je te laisse gérer le chat. Je rappelle plus le nom. En fait, en gros, comme il a failli mourir, il va mourir d'ici peu. C'est le destination finale. C'est ça. Et là, tu joues pas Meat Boy. Tu joues pas Meat Boy, tu joues à Donald, c'est pas pareil. C'est pas le même feeling. Pas grave. C'est pas grave. On va se mettre là. Voilà, tac. Ah, ah, j'étais à deux doigts. Et tu peux pas aller un peu plus loin plutôt que de te faire chier à faire ça? Et si tu t'y prenais un petit peu à l'avance en fait? Hop là. Voilà. Voilà. Ne donne pas de conseils, tout va bien. Donald, c'est pas la même viande. T'as pas compris. Alors donc du coup, là je crois qu'il faut que je saute en avant. Ouah, c'est les plateformes Megaman. Oh putain, je déteste ces trucs là. En fait, faut que tu... Ah mais comment tu peux deviner où est-ce qu'elles sont? Je ne peux pas. C'est complètement dégueulasse. Ouah. Avec ah, utilise le livre. Utilise le livre peut-être. Le livre te donner. Ah non. Une fois mouillé, la position du véritable trésor. Oh là là. Alors, y'a quoi? Voir la larme de sang. C'est inutile. On va tester, hein. C'est inutile. Oh là là. C'est inutile. C'est inutile. C'est inutile. Hein? Soleil, une étoile.
Pardon? Ah mais c'était écrit, c'était le truc qu'on a resté bloqué comme on va mute comme des cons. Oh là là. Alors, fais un... Ah, il faut que tu jauges tes sauts comme ça. Oh putain, ça va être la merde. Parce que je le sens bien le dernier en fait qui est pas à un bloc mais qui est à deux blocs de toi. Un peu comme là, tu vois. C'est complètement bâtard. Je ne vais pas m'énerver. Ça va, il te reste deux vies. Quelque part, on croit en toi. Apprends par cœur le pattern. Voilà. Là, là, on le sent bien. Voilà. Hop. Ah, ça monte un peu quand même. Hein. Tiens, je l'avais dit, t'as deux blocs celui-là. Il faut que t'apprennes par cœur. Fils de bip. C'est bâtard. Ah, y'a Tenkrit qui est là aussi. Putain, mais c'est le rassemblement aujourd'hui. Ça, c'est beau. Oh putain, qu'est-ce que je suis content. Ah, t'es content. Ah, ouais, ouais, ouais. Oh. Alors, essaie de faire un bloc et demi, comme ça t'es sûr d'être en moins sur l'un ou un sur l'autre. Ouais, c'est comme le niveau de Mega Man 2 avec avec Hitman. Vas-y, tu fais un grand saut, tu passes. Ou tu... Non, tiens, avec la ventouse. Paf, paf. Et là, un boss. Et y'a vraiment un boss. Oh, y'a un boss. Ah, c'est mystique. Et bah, le boss, ce sera après la pause. Allez, je vous montre le suspense et tout. Ah, le cliffhanger de la mort. Ah, je suis trop fort. Wow. Le boss après la pause. Et on se retrouve dans. On dit combien généralement? 10 minutes. On dit 10 minutes, mais généralement on revient au bout de 25. Non, généralement on revient au bout de 8, même pas. Mais Nino, c'est pas bien lutin, on est à la Saint-Patrick aujourd'hui, t'es pas au courant ou quoi? Y'a pas un pause. C'est le jour du coca de chéri et de l'oasis tropicale où tu mets de l'eau dedans. Ah oui, mais tu sais pas. C'est où le pause déjà? Y'a pas pause sur lui, je crois. Bah si, parce qu'il y avait. Non, attends, non, y'a sur la Game Boy, mais lui il ne semble pas qu'il y ait. Mais si, y a un pause. Mais non, y'a pas pause. Si. Il a un pause, c'est ça? Si, y'a pause. Option, pause, pause, pause émulation. Pause émulation. Voilà. Voilà, donc je vous mets la zic et on se retrouve dans 5-10 minutes, pas plus. A tout de suite.